nous avons eu un entretien franc, cordial. Et cela a tourné autour des préoccupations que le président de la République a formulées lors de son discours du 23 octobre dernier adressé à la nation. Et comme nous avons été invités, nous avons remercié le président de la République d'avoir pensé à la Conférence épiscopale nationale du Congo comme une institution pouvant donner sa contribution dans la recherche des voisins moyens et de sortie de crise que connaît notre pays, la République démocratique du Congo. Et je devais dire que tout s'est passé dans une atmosphère cordiale, conviviale, franc. C'était un entretien entre responsables. L'Église a toujours été aux côtés de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. L'homme au cœur de toutes nos préoccupations sociales, politiques, religieuses. Alors, pour les cas d'espèce, comme le président de la République nous a invités dans un cadre de consultation nationale, nous lui avons confié toutes nos réflexions, nos analyses sur la situation et voir dans quelle mesure lui, il peut exploiter nos contributions, nos analyses pour répondre à ses propres préoccupations. Pour faire bref, quand on est consulté, on réserve la primeur à la personne qui a pris l'initiative de vous consulter, sans verser dans l'exercice de dire ce qu'on a dit à l'autorité qui a invité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, malheureusement, donner le contenu du mémo que nous avons remis au président de la République sur les questions pour lesquelles nous avons été consultés. La lecture que je fais de la situation actuelle, c'est le souci de mon peuple. Je suis venu dans le cadre des consultations pour rapporter au président la situation, je dirais, dramatique que vit le peuple congolais actuellement. Et le remercier, le féliciter pour l'initiative qu'il a prise. En même temps, pour lui dire, le peuple attend beaucoup de ces consultations. Le peuple ne veut pas que cette consultation soit une énième consultation et que sa situation à lui, comme peuple, continue à se dégrader. On attend beaucoup de ces consultations et il faudra que, à l'issue de ces consultations, les conditions de vie du peuple changent. Est-ce qu'une reconfiguration du paysage politique au niveau des chambres représentatives est-elle aujourd'hui nécessaire, impérieuse ou réversible? Il appartiendra au président de décider. C'est pour cela qu'il consulte. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que le président va faire de tout le fruit de cette consultation, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un changement. La situation actuelle a démontré ses limites. Le peuple n'est plus au cœur des soucis de ceux qui nous gouvernent. Et quand on est devant une situation pareille, il faut que quelque chose change. Et le peuple attend un changement. Quelle sera la nature de ces changements? Nous laissons ça à la discrétion du chef de l'État. Mais premièrement, l'idéal, ce serait que tout le monde apporte sa contribution à cette consultation. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, considérons que personne n'est obligé. On ne va pas prendre quelqu'un de force à venir donner sa contribution. Mais nous vivons dans une démocratie, c'est aussi une majorité. S'il y a une large majorité
qui a apporté sa contribution, je crois que ça peut indiquer au président le chemin dans quelle direction aller. Mais la 5 pélissus n'a pas tout nion son mouté, madame. Beaucoup de tana élite télévision, beau s'abonner. On est la chaîne, n'abus son. J'ai accordé une émission, trois émissions, pardon, toutes les semaines. Et on a le kakamakamba mentalité, rebela kakamakamba famille, makamba divorce, makamba relation. Ça sera une émission uniquement au monde en kakouna na chaîne, wana, élite télévision. C'est une émission pour nous parler de débat, de problème, de divorce, de couple, tout ça. Il y a problème au salaire, il y a problème, il y a des dimensions sur le problème au Rosalango. Il se peut que ta réponse dans l'émission, comme on a la voix de sortie. Imaginez-vous, il y aura notre titre émission, la voix de sortie. On parle de comment s'en sortir devant ma difficulté. Alors, qu'on ratete, s'abonner. Hein? S'abonner, abonne-toi. Abonne-toi na Elite Télévision. Au commis, Elite Télévision, au s'abonner et au salabus, c'est un grand plaisir.